Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ana Fernández Moya y soy la vocal de feminismos de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Esta conferencia se enmarca en el ciclo Transformar nuestro mundo, propuestas para nuevos tiempos, que está organizada por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y la Casa Encendida. Este ciclo comenzó en el año 2018 y está centrado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El objetivo de estos encuentros es mostrar las oportunidades que existen para avanzar en la construcción de otros modelos de sociedades y en las relaciones entre los pueblos. Hoy en día, la construcción colectiva de alternativas ya es un hecho y se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer frente a los relatos dominantes que nos imponen un único camino. Con esta conferencia se cierra el ciclo de conferencias realizadas, 3 años durante los cuales se han llevado a cabo 16 conferencias en los cuales se han abordado temas tan necesarios y urgentes como son, entre otros, el desarrollo sostenible, la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, el cambio climático, la comunicación, las comunidades sostenibles e inclusivas, el agua, los derechos laborales, la paz, seguridad y desarrollo, la energía sostenible, las desigualdades y otros enfoques y propuestas en el marco de la Agenda 2030. Han sido reflexiones y análisis que han venido de la mano de especialistas en la materia, como son Kadir Tsuba, Jason Hickel, Federico Mayor Zaragoza, Marina Silva, Anabela Rosenberg, Janaína Strunchak y Juancho López Uralde, entre otras. Un gran elenco de personas que han llegado de diferentes partes del planeta y nos han permitido ver más allá de lo que ocurría tras nuestras fronteras. En la conferencia de hoy, titulada Agenda 2030, la urgencia de otros enfoques y propuestas, vamos a conversar con Aminata Traoré, que además de escritora y ensayista, exministra de Cultura y Turismo de Mali entre los años 1997 y año 2000, cargo del que dimitió para poder mantener su libertad de palabra, pues es una de las voces intelectuales africanas más sobresalientes en la búsqueda de una alternativa en oposición a la mundialización liberal. Por mi parte, nada más, con muchas ganas de escuchar lo que Aminata nos va a contar hoy. Y os dejo con Cristina Fuertes López, es la responsable de comunicación interna de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que nos va a presentar un poquito más a fondo a Aminata. Muchísimas gracias, Ana, y muy buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Tras 3 años, el ciclo de conferencias llega hoy a su fin y lo hacemos nada más y nada menos que de la mano de Aminata Traoré, una de las voces intelectuales africanas más sobresalientes a nivel mundial. Hoy nos acompaña en esta conversación para analizar si la Agenda 2030 está generando los cambios que defiende y si su contenido es suficientemente ambicioso o necesita bien completarse con propuestas que vayan mucho más allá. Desde luego, será una muy buena oportunidad para buscar y desarrollar alternativas desde la visión de una mujer africana crítica con los planteamientos dominantes sobre el desarrollo. Debido a problemas de agenda, la conversación con Aminata Traoré se ha reducido a tan solo 1 hora. Por este motivo, no vamos a poder abrir un espacio de preguntas. No obstante, como compensación, vamos a poder tener la enorme suerte de poder estar este ratito con ella. Así que desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, agradecemos muchísimo que finalmente hayamos podido contar con la presencia hoy de Aminata para este cierre. Personalmente, para mí, además, es un honor poder presentarla hoy. Me relevo contra la naturaleza del sistema y su capacidad para destruir la esperanza en África. La cita viene de quien nos acompaña hoy, Aminata Traoré, política y escritora de Mali. Vivió la llegada de la independencia y posteriormente el socialismo, la dictadura, el partido único y la democracia.
y hoy, desafortunadamente, vive de cerca una inestabilidad política que sufre el país desde los últimos años. Es doctora en psicología social y se diplomó en psicopatología. Investigadora en ciencias sociales, trabajó en la Universidad de Abidjan, Costa de Marfil, y actualmente colabora con varias organizaciones nacionales e internacionales. Ha sido ministra de Cultura y Turismo de Mali entre 1997 y 2000. En julio de 2005 fue elegida para formar parte del Consejo de Administración del Servicio Internacional de Prensa y ese mismo año presidió la Comisión de Organización del Foro Social Mundial Policéntrico de Bamako. Ha sido galardonada además con el Premio Príncipe Claus de Cultura de los Países Bajos en 2004 y ha recibido numerosos reconocimientos en Mali. Ciguara de Excelencia, 1995, Caballero de la Orden Nacional de Mali, 1996, Oficial de la Orden Nacional de Mali, 2006 y Comendador de la Orden Nacional de Mali, 2008. Como escritora y ensayista, Traoré ha plasmado su pensamiento en varias publicaciones de referencia donde denuncia la explotación de su país y de todo el continente con el pretexto de la ayuda al desarrollo. Destacar algunos títulos como La violación del imaginario o África humillada. Hace unos meses, el periódico El País publicó un especial sobre el futuro después del coronavirus. Este especial contenía opiniones de personalidades de todo el mundo. Una de ellas era Aminata Traoré y dijo lo siguiente, cito textualmente: si queremos un mundo mejor tras la crisis de la COVID-19, necesitamos desconfinar el pensamiento del desarrollo del continente africano, que consiste en designar la globalización como capitalista, antiigualitaria, racista y belicista. Y esa liberación está en marcha a través del despertar de la conciencia geopolítica de los pueblos de África, en particular de los jóvenes que quieren ser dueños de su propio destino. Bienvenida, Aminata, el espacio es todo tuyo. Te escuchamos. Je vous remercie et le plaisir est partagé et vous m'invitez à clore cet exercice, trois années d'efforts de réflexion, de concertation sur un sujet que j'appelle l'ultime interpellation. Le climat, c'est l'ultime interpellation. Et il s'avère que je vous parle à partir d'un pays, le Mali, le Sahel, qui est au cœur de cette problématique. Alors, commençons par l'agenda 2030. Ne laissez personne de côté. Avait en effet déclaré les 193 dirigeants de la planète dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable qu'ils ont adopté lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Quelques deux mois plus tard, du 31 octobre au 12 décembre, ils se sont retrouvés à Paris au chevet de la planète dans le cadre de la 26e conférence de Paris sur le climat, COP21. Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas stabilisées à ce jour et ne sont pas en voie de l'être depuis la signature de l'accord de Paris. En plus du retrait du climato-sceptique président américain Donald Trump de l'accord, les désaccords entre les autres États signataires persistent et s'accentuent. Espérons que l'arrivée de Joe Biden va changer cette donne. L'Afrique, qui ne produit que 4% des gaz à effet de serre, est heurtée de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. Le Sahel est au cœur de cette situation dont on ne fait pas suffisamment cas dans la réflexion sur la sortie de la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. Alors, l'idée est lors de
cette conférence de lancement de l'agenda, c'était qu'il ne fallait laisser personne de côté. Or, il se trouve aujourd'hui que laissés de côté sont les travailleurs compressés, les licenciés, les partants volontaires, dits involontaires à la retraite, les étudiants, les élèves qui ont pris la rue d'assaut en mars 91 ici au Mali, en espérant que l'alternance et la légitimité démocratique que confère le vote leur garantiraient du travail et des conditions de vie meilleures. Laissés de côté sont ceux qui, pour échapper à la misère et à la mort, tentent d'émigrer vers les régions du monde qui se sont enrichies à leurs dépens. Burkinabés, Maliens, Nigériens pouvaient trouver du travail en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et dans d'autres pays de la sous-région. Les laissés pour compte de la croissance meurent par milliers dans le désert, en Méditerranée ou croupissent dans des geôles en Libye ou dans des centres de rétention en Europe. Nous sommes loin des objectifs du millénaire du développement. Les buts visés par la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité renforcée par la 1820 en 2008, la 1888 en 2009, la 1989 en 2009 et la 2021 en 2013. Ces objectifs du millénaire visant à accroître la participation des femmes et à la réflexion sur l'état de leur pays ne sont pas respectés. Laissés de côté en France et en Europe sont les enfants issus de l'immigration, mais aussi ceux de la classe moyenne paupérisée. L'assaut des candidats subsahariens contre les murs de Ceuta et Melilla en 2005 s'est inscrit justement dans le même contexte que la révolte des banlieues en France. Laissés de côté sont les femmes. En tant que femme africaine, je pose bien entendu un regard critique sur ce que je peux considérer comme une forme d'hégémonie. Dans la mesure où nos sœurs des pays développés pensent pour nous. Or, la solidarité entre femmes ne doit en aucun cas exclure la confrontation des idées et des projets de société. La pensée féministe occidentale a souvent péché par la même volonté d'hégémonie qui caractérise les relations entre le mâle blanc dominant et nos hommes. C'est une féministe, une grande figure du féminisme et français qui disait que l'Europe continue à jouer un rôle phare pour toutes les femmes parce qu'elle est le creuset où s'élabore et se réalise l'égalité des droits dans tous les domaines, justice, éducation, nutrition, culture. Elle ajoute que les Européennes, qui désormais connaissent leurs nouveaux droits, se sentent spontanément solidaires avec toutes celles qui, de la Birmanie à l'Algérie, du Bangladesh au Rwanda, réclament d'être aidés dans leur lutte contre les intégrismes, l'excision ou la polygamie. Alors, comment penser dans le contexte actuel et de comment refonder ces relations entre femmes et confrontées aujourd'hui aux mêmes crises systémiques? L'une des conséquences de la situation que nous traversons est bien entendu l'endettement, ou plutôt le surendettement des pays comme les nôtres. Et très récemment, on a assisté en France à l'organisation d'un sommet justement sur la question du financement du développement, comment pour l'après-COVID. Je crois que tous ceux qui ont suivi cet exercice ont compris que la stratégie de sortie de la crise, disons plutôt, l'après-COVID risque de se faire encore une fois, et comme d'habitude, au détriment des pays du Sud et plus particulièrement de l'Afrique. Parce que ce mini-sommet qui ressemble à une sorte de France-Afrique sur le financement des économies africaines a eu lieu donc à Paris le 17 mai 2021. Alors, qui a dit que le fait que les grandes puissances se soient dotées de plans colossaux de relance nous pose des problèmes à nous, peuple du Sud, plus particulièrement d'Afrique, déjà surendettés. Nous avons au contraire une occasion historique
de rompre avec un système économique qui garantit des infrastructures et des marchés aux entreprises étrangères. Alors, sans embâche, à l'occasion de ce débat sur la dette, Bruno Le Maire précise qu'un problème de sécurité stratégique pour la France contre le terrorisme dont l'épicentre se serait déplacé du Moyen-Orient vers l'Afrique justifie justement cet intérêt des pays occidentaux pour la possibilité de nous garantir un financement de l'après-Covid. Alors, la question de la dette, tout comme vous le savez, l'Afrique, c'est le véritable fardeau de l'Afrique qui est à l'origine des politiques d'ajustement structurel, mais que nous devons à des choix économiques et stratégiques qui ne dépendent pas de nous. Tout le monde sait que nos pays dépendent sont encore dans l'ancienne division internationale du travail, c'est-à-dire condamnés à exporter les mêmes ressources naturelles, à importer des biens transformés ailleurs, et que tout se passe comme si les multinationales qui dépendent surtout de leurs exportations vers nos pays, et nous nous endettons en fait à leur profit. Et c'est pour cette raison que la question de la dette est posée et demeure considérée comme odieuse, parce que finançant un processus de développement qui appauvrit et enchaîne l'Afrique. Alors, l'une des conséquences de cette situation, c'est une image toujours ternie de l'Afrique. Nous avons le sentiment que, en réalité, tant d'années après la conférence de Berne, où l'Afrique a été partagée, nous avons le sentiment aujourd'hui que les grandes puissances viennent à l'assaut d'un continent de terre considéré comme sans propriétaire, mais aussi habité par des peuples considérés comme sous-humains, et malléables et corvéables à merci. C'est pour cette raison que je n'hésite pas à dire que la question du racisme systémique qui est à l'ordre du jour aujourd'hui doit être posée également dans la manière dont la question et toutes les questions africaines sont aujourd'hui gérées. Parce que nous avons rarement la possibilité de décider, de penser, de décider pour nous-mêmes. Alors, ce qui se passe ici, au Sahel, alimente bien entendu le discours de haine, le regard qui est posé aujourd'hui sur l'Afrique, les afro-descendants, les diasporas africaines, alimente le discours de haine aussi issu de ce que j'appelle les mensonges d'État qui ont servi de justification à la guerre antiterroriste ici. Il n'y a pas longtemps, Marine Le Pen disait, du moins nous promet, si elle parvenait à accéder au pouvoir en 2022 en France, elle promet d'être plus dure que la droite et le gouvernement de François Hollande. Alors, elle dit qu'on envoie, parce qu'elle a le sentiment que la France, mais je crois que c'est valable pour la plupart des pays européens aujourd'hui qui basculent à droite et à l'extrême droite, ils ont le sentiment que dans le cadre de cette guerre, leurs enfants viennent mourir ici pour protéger nos pays contre les terroristes islamistes et nous refusons de reprendre les migrants dont ils ne veulent pas. Alors, elle dit que j'irai voir le président du Mali. Je lui dirai non seulement qu'il n'y a pas d'aide au développement à destination du Mali et de surcroît qu'il n'y aura plus de transfert d'argent de ressortissants maliens qui travaillent en France. Western Union et autres, ce sera fini. Mais en 2017 déjà, l'un des députés du Front National, Louis Alliot, a posé la même question. Qu'est-ce qui se serait passé si la France n'était pas intervenue au Mali avec d'autres alliés pour combattre le djihadisme? Le Mali se serait effondré. Mais ceux qui sont clandestins et en dehors de la loi devraient repartir dans leur pays d'origine, précisément à un moment où la France y a investi dans la sécurité et au moment où les gouvernants maliens
aujourd'hui sont appelés à faire des efforts précisément dans la fixation des populations dans leur pays d'origine. Nous sommes donc des pays qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation et ne semblent souffrir, disons, d'une sorte d'amnésie et qui considèrent que la dépendance de leurs propres économies, des richesses du continent noir, ils ont l'impression de pouvoir continuer et de gagner dans l'ordre actuel du monde en nous condamnant à rester chez nous. Alors, c'est pour cette raison, j'anticipe, que quand on me pose quelle alternative, je pense que l'alternative aujourd'hui pour que nous puissions sortir de ce guépier, c'est de nous inviter nous aussi dans les élections en Europe, et plus précisément l'élection présidentielle de 2022 en France. Alors, mais quand ici, je me réjouis d'autant plus de cette participation à cet exercice que la France, qui avait juré et promis de maintenir la force Barkhane, vient de prendre la décision de retirer cette force tout simplement parce qu'une bonne partie de l'opinion publique française n'en peut plus. Il y a une forme de lassitude. Ils ont le sentiment qu'effectivement, des soldats tricolores meurent ici pour nous et qu'il est temps de rentrer. Mais il se trouve que nous aussi, nous nous disons que, par exemple, au Burkina Faso, où 135 personnes, des civils, ont été massacrées en un seul jour, 135 personnes, c'est-à-dire trois fois le nombre de soldats français tombés au Sahel en 8 ans. Donc, en un seul jour, le Sahel perd trois fois le nombre de soldats français qui sont tombés. Alors, nous en sommes à un stade dans cette crise dite sécuritaire où nous avons tout simplement pris conscience du fait qu'une vie n'égale pas une vie et que les milliers, quand je parle de milliers de victimes civiles, on estime à 6 000, mais pour l'ensemble du Sahel, on pense que nous sommes à 15 000 à peu près, sans compter les réfugiés et les déplacés internes. Nous sommes dans une situation chaotique. La situation est chaotique, inédite et injuste. Et le narratif français a consisté à justifier le retour de l'ancienne puissance coloniale dans son précaré, dans le cadre de la défense de ses propres intérêts. Je crois que le reste de l'Europe ne s'y trompe pas. Et parce que Nicolas Bavarez dit que la France n'entend pas perdre ses avantages et ses parts de marché en Afrique, ni face aux autres puissances occidentales, ni face aux émergents. Notre pays, la France, ne tient dans la mondialisation que par les très grands groupes qui constituent le pivot du redressement économique et du désendettement de la nation. Alors, puisqu'il en est ainsi, et quand la France nous dit « je me retire, mais en fait, je reste puisque je vais rester sur la base d'un autre paradigme qui consiste à sahélianiser les trois axes déclarés par Jean-Yves Le Drian. Ils vont sahélianiser, européaniser et internationaliser la lutte antiterroriste au Sahel. Alors, moi, je pense que un pays comme l'Espagne, bien entendu, a tout à fait raison de se poser la question de savoir quel est le rôle de ses forces militaires européennes et espagnoles au Sahel et comment sont-elles comprises dans le cadre de l'approche
et de la cohérence, l'approche de cohérence des politiques pour le développement durable prôné par le programme 2030. Alors, inutile de vous dire que nous sommes à 1000 lieues de ce programme et que la manière dont la lutte antiterroriste est conduite aujourd'hui est totalement antinomique avec la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas infliger pendant 8 ans une guerre dont l'objectif était de circonscrire la menace djihadiste au nord du Mali. Ça n'a pas été le cas. Et l'expansion a atteint le centre et les 2/3 du pays. La situation est moins, disons, dramatique dans les autres pays frères du Sahel, mais c'est la même chose. Donc, une guerre qui était censée être rapide et éradiquer la menace djihadiste a duré 8 ans, a fait des milliers de morts et des villages brûlés, des femmes violées. Alors, tout ce qu'on peut imaginer a lieu aujourd'hui sans que les protagonistes de cette crise, sans la moindre référence à la question climatique. Or, nous savons que cette guerre, le fin fond du débat que les peuples d'Europe doivent comprendre aujourd'hui, quand la France dit « je me retire, mais je vais européaniser ». Européaniser veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas porter seule la responsabilité morale et politique et de l'enlisement. Je veux que l'Europe vienne partager avec moi. Donc, quand on dit l'Europe, on parle surtout de la force Takuba, composée d'Estoniens et d'autres personnes. Il semble, de toute façon, qu'on attend toujours un certain nombre d'Européens qui avaient promis de venir, mais qu'on ne voit pas venir. Donc, européaniser, nous voulons savoir, est-ce que l'Europe des peuples est prête à épauler la France pour se maintenir militairement au Sahel, c'est-à-dire dans une zone où les séquelles des grandes sécheresses des années 70 et 80 sont à l'origine de la crise. C'est une question de confiance, c'est une question fondamentale. S'il y a une région au monde où le réchauffement climatique sévit et tue bien avant cette crise sécuritaire et migratoire, c'est bien au Sahel. Donc, c'est une question aujourd'hui qui devrait nous amener à nous poser de nouvelles, à poser autrement la question de la migration, de l'insécurité, mais aussi de la démographie et de la démocratie. Il est question de tout cela au Sahel. C'est pour ça que mon prochain livre que j'intitule Emblématique Mali consiste à donner la parole aux Maliens, que le Mali parle du Mali dans le contexte actuel qui est totalement différent parce que la mondialisation économique et financière a engendré des bouleversements considérables au sein des sociétés occidentales, mais qui veulent trouver des réponses à ces défis ici, en Afrique subsaharienne, et le racisme aidant. Et on nous fait croire qu'il s'agit de nous développer, mais nous savons aujourd'hui que c'est des guerres d'occupation. C'est pour cette raison que nous considérons toutes les armées européennes qui acceptent d'accompagner la France comme des armées d'occupation de nos pays, sur la base d'un mensonge d'État. Le mensonge d'État a consisté à dire à l'opinion publique française et internationale qu'en 2013, un président, c'était encore après un coup d'État, que le président de la transition de l'époque a demandé à la France de venir nous aider. C'est absolument faux. Aujourd'hui, il y a des données, des documents émanant d'institutions françaises qui prouvent que il n'y a pas eu de demande. Et ce qu'on a considéré comme une menace qui allait descendre vers le sud jusqu'à Bamako à travers des colonnes de pick-up djihadistes, ces colonnes n'existaient pas. En fait, la crise que nous traversons aujourd'hui et le fait que les jeunes combattants, si
la montée en force du phénomène djihadiste est due au fait que les programmes d'ajustement structurel ont généré, ont secrété, ont condamné des tas de gens et au chômage, à la pauvreté. Et ce sont des désespérés que les têtes pensantes du djihadisme recrutent localement. Donc, si on veut en finir avec le djihadisme, si on veut en finir avec l'émigration forcée, il faut tout simplement changer de paradigme. Et l'heure de ce changement est venue. L'heure de ce changement, c'est à travers justement cette levée de bouclier des citoyens du monde contre le réchauffement climatique. Et quand on parle de citoyenneté, quand nous voyons la force, l'originalité de ce mouvement des jeunes lancé par Greta Thunberg, et ça, c'est des facteurs qui nous réconfortent, qui nous donnent l'impression effectivement qu'il y a de la place pour d'autres sujets qui nous concernent, c'est-à-dire la question du climat, dont les puissants de ce monde parlent, dont ils parlent du bout des lèvres, mais qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en œuvre parce que tout simplement ça va à l'encontre des intérêts des multinationales. Alors, donc, nous sommes avec, quand, par exemple, l'année pour le développement que l'Europe elle-même a proclamé en 2015, visait à associer les citoyens, en particulier les jeunes, à un débat sur notre monde, notre dignité, notre avenir. L'Europe ne s'attendait pas à être défiée et débordée en 2015, qu'elle avait proclamé donc année européenne du développement, par la marée humaine des réfugiés, des migrants et le djihadisme. Au sein de l'Europe, la France avait mis l'accent sur la dimension climatique de l'agenda post-2015, l'égalité femmes et hommes, l'universalité des droits, le principe de la non-discrimination et la lutte contre les inégalités. Ça, c'était en 2015. Et figurez-vous que la même année, elle était en plein dans cette guerre antiterroriste et fondée sur ce que j'appelle le mensonge d'État de la demande du Mali, alors qu'il n'y avait pas de demande du tout. Donc, moi, j'ai été personnellement frappé à l'époque par ce « ne venez pas en Europe, ne croyez pas les passeurs, ne risquez pas vos vies et votre argent. Tout cela ne sert à rien. » Ces mots durs à entendre venaient à l'époque de Donald Tusk, à l'époque président du Conseil européen. Il s'adressait à des Maliens, des Nigériens, des Syriens, des Irakiens et d'autres humains qui auraient pu vivre dignement chez eux, élever leurs enfants et parcourir librement et en toute quiétude notre vaste monde, mais qui par centaines de milliers sont chassés de chez eux et qui frappent aux portes de l'Europe et qui vivent en son sein en réfugiés de guerre ou migrants dits économiques. Le déni des droits des candidats à l'émigration, à des voies migratoires sûres et légales, fait bien entendu le bonheur des passeurs à qui on fait porter l'entière responsabilité des pertes en vies humaines et à leur pays d'origine. C'est exactement le même schéma que le terrorisme. On fait porter l'entière responsabilité du terrorisme au Mali, alors que nous subissons les conséquences des politiques inhumaines mises en œuvre dans nos pays depuis des décennies. On fait également porter l'entière responsabilité de l'immigration à des passeurs, alors que ces passeurs tirent profit tout simplement d'une situation engendrée par des mêmes politiques néolibérales qui vivent, de l'exploitation des pays d'origine des migrants. Donc, il se passe aujourd'hui que l'insécurité est devenue mondiale en raison de la logique propre au système à amener les gagnants de ce même système à concevoir la sécurité globale face à des menaces définies et par eux-mêmes. Ces menaces ont pour nom l'islam, les migrants et les trafiquants et parfois les opposants politiques. Il s'avère qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, les peuples sont invisibles et inaudibles. La jeunesse, donc, comme je vous ai dit, est aujourd'hui vent debout et contre la hausse des températures et à la suite de l'appel de Greta Thunberg, est l'une des plus belles
et rafraîchissante illustration de la citoyenneté planétaire. Alors, maintenant, que penser des soulèvements populaires? Et aujourd'hui, partout de par le monde, et les gens applaudissent, encouragent et les levées de boucliers des peuples en colère, des colères légitimes en Algérie, au Sénégal, en Colombie, au Chili, au Soudan du Sud et ici, à travers ce qu'on a appelé le mouvement M5-RFP. Mais moi, je suis plus exigeante. Je suis devenue exigeante après avoir vécu la première révolution en 1991, après la conférence de la Baule, quand Mitterrand a cru devoir exiger de tous nos pays de démocratiser les régimes. Et nous y avons cru. Nous y avons cru. Mais nous ne savions pas qu'il y avait démocratie et démocratie. Et cette forme de démocratie, il est exigé de nous aujourd'hui de démocratiser nos pays pour aller vers l'État libéral démocratique. L'État libéral démocratique est acquis au principe de l'ouverture au marché, est acquis au fait que les gens qui vont être élus constituent le personnel politique dont les puissances financières, les multinationales auront besoin pour ouvrir nos économies déjà exsangues à la compétition. Ce sont ces profils qui sont recherchés à travers ces démocraties. Les mobilisations ont malheureusement consisté jusqu'ici à manipuler, à instrumentaliser les souffrances indicibles des victimes des programmes d'ajustement structurel. Quand ces victimes prennent la rue d'assaut, alors on leur dit allez-y, et poussez vos dictateurs dehors. Et aujourd'hui, c'est-à-dire nous, et FMI, Banque mondiale, Union européenne, nous, la communauté internationale, nous sommes là pour vous aider. Donc, comme si l'infantilisation des opinions publiques du Sud, plus particulièrement d'Afrique. Nous avons assisté avec ces soulèvements populaires et leur issue à une forme d'infantilisation des opinions ici. Parce qu'on nous fait croire que le simple fait d'organiser des élections transparentes et démocratiques suffisent à garantir au peuple, disons, leurs droits. Ce n'est pas le cas. Dans le cas du Mali, il s'agissait de régler des contentieux, justement, des contentieux électoraux. Le règlement des contentieux électoraux amène des acteurs politiques qui ont géré le pays à descendre dans la rue avec des milliers de laissés, les laissés de côté dont nous avons parlé. Ce sont les laissés de côté du système qui sont mobilisés, qui battent le pavé pendant des semaines et qui donnent l'impression qu'effectivement, on va vers davantage de paix, de sécurité. Il n'en est rien. Il n'en est rien, tout simplement parce que ni la classe politique, ni les sociétés civiles ainsi mobilisées, mais désinformées, ne peuvent nommer le système. Il n'y a pas de place pour un débat au sein des partis politiques, au sein de nos gouvernements, comme en Europe. Parce que figurez-vous qu'ici, on a, je crois, dans le cas du Mali, nous avons 226 partis politiques. 226 partis politiques sans socle idéologique, sans débat sur le système capitaliste. C'est ça qui est prévu pour l'Afrique, c'est ça qu'on nous sert et c'est ça qu'on raconte aux opinions publiques occidentales en disant, voilà, il y a les mouvements, mais ceux qui marchent, comme je dis, et qui ont le droit d'être en colère, sont tout simplement instrumentalisés par une classe politique qui fait partie du système, c'est-à-dire la branche nationale de l'oligarchie internationale. Donc, nous pensons que les révolutions africaines, en tout cas les révolutions entre guillemets que j'ai vues ici, ont consisté donc à instrumentaliser les souffrances des laissés pour compte des politiques néolibérales. Je,
Et maintenant, quelle alternative? Alors, nous pensons que ce qui s'est passé au Mali, il y a eu donc ces soulèvements populaires et les gens ont cru qu'il fallait, que l'essentiel, qu'il fallait tout simplement que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta dégage et qu'après, les questions sécuritaires et toutes disons, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que ces questions seront résolues. Mais comme, comme c'est cette formation, disons, ce grand mouvement qui a impressionné le monde entier était hétéroclite, comme je vous dis, est composé de gens qui, en fait, n'avaient rien à faire ensemble. Et ça, et les militaires leur ont coupé l'herbe sous les pieds et ont pris le pouvoir. Les militaires ont pris le pouvoir. Et depuis lors, nous sommes tout simplement, le pays est en train est paralysé pour des questions de partage de postes. Est-ce que les postes, est-ce que c'est les militaires, est-ce que c'est les civils qui va gouverner la transition? Au lieu de nous poser la question de savoir, mais quelle transition? Dans quel contexte mondial? À quel prix? Parce qu'aujourd'hui, le pays est paralysé parce que la France, quand la France nous dit qu'elle va internationaliser, nous nous rendons compte qu'en fait, elle est à chaque niveau de l'international, nous trouvons la France. Qu'il s'agisse du FMI ou de la Banque mondiale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, partout où nous allons, quand la France nous envoie à la communauté internationale, c'est elle-même qui est l'international. Et on nous parle de multilatéralisme, on nous parle d'ouverture, mais en fait, le fin fond du débat aujourd'hui, c'est la panne de la démocratie. La démocratie, la question de la démocratie qui est posée ici aujourd'hui au Sahel, c'est pas une question de menace terroriste à gérer. Le terrorisme existe, c'est une réalité. Et le fait que l'islamisme est armé existe, c'est une réalité. Mais le gros du lot, l'immense majorité, ils recrutent facilement, tout simplement parce que l'État n'existe plus. L'État n'existe plus depuis, le consensus de Washington. On a demandé à l'État le désengagement de l'État, la privatisation des biens publics, et aujourd'hui qui nous sont vendus par des multinationales. Chaque secteur, qu'il s'agisse de l'eau, de la santé, de l'assainissement, l'Afrique, on demande à l'Afrique de s'ouvrir aux multinationales qui viendront faire fortune ici. Ce n'est pas seulement la bande sahélienne. Quand on fait l'épouvantail, quand M. Le Drian dit qu'il s'inquiète parce que la menace est en train de descendre vers le sud et que c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont ouvert un institut de formation, disons, et antiterroriste, quelque chose de ce genre à Abidjan. Bien sûr, il y a eu une attaque à Abidjan, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas encore touchés. Mais la meilleure manière, comme ils nous ont fait le coup, la meilleure manière aujourd'hui de recoloniser, de dominer, de se positionner, c'est de dire, attendez, on arrive, vous devez vous engager dans la guerre antiterroriste, sinon vous serez attaqué. Alors, si c'était seulement une question d'islam, pourquoi des pays jusqu'au Mozambique, cette histoire, ce phénomène-là, ce qu'il appelle le terrorisme à combattre, et gangrène toute l'Afrique aujourd'hui, tout simplement parce que la même lame de fond et du néolibéralisme, c'est ce qu'on nous a servi, c'est cette même lame de fond qui est en train de ronger nos pays de l'intérieur, de vider l'État de son contenu. Et ce sont des jeunes gens exaspérés qui sont prêts aujourd'hui à monter dans les bateaux ou à prendre les Kalachnikovs pour aller, parce qu'ils ont, ils pensent qu'ils ont une revanche à prendre sur l'État. Alors, ça fait que je me dis que la question de l'impérialisme, de la colonisation et les crimes, disons, commis contre bon nombre de pays africains, aujourd'hui sont sur la table et la France est capable de reconnaître sa part de responsabilité dans le génocide rwandais, en Algérie, dans les questions de mémoire.
Emmanuel Macron reconnaît même leur part de responsabilité en Libye. Mais je sais qu'un jour, un jour viendra, ça ne saurait tarder, où ils reconnaîtront aussi que des crimes contre l'humanité ont été commis dans le cadre de cette guerre que nous n'avons pas demandée, qui nous est imposée et dont nous n'avons pas les moyens. Donc, je me félicite, chers amis, de participer à cet exercice qui, pour moi, est une occasion et en or de clarifier. Je me dois de clarifier parce que les versions qu'on vous donne sur la guerre antiterroriste ici sont tout simplement humiliantes pour nous. Ça consiste à dire que nous sommes incapables, si on nous laisse seuls pour penser et notre développement, pour penser notre sécurité, nous sommes incapables. Donc la France prétend qu'il lui faut rester ici pour former nos soldats, pour accompagner nos États, alors qu'ils n'ont que mépris pour ces armées. Ils n'ont que mépris pour nos armées, ils n'ont que mépris pour les gouvernants, ils n'ont que mépris pour nous en tant qu'Africains subsahariens. C'est ça le fin fond du débat. Ne vous laissez pas tromper. Aujourd'hui, si la France s'en va, si les bases militaires, parce que les axes qu'elle montre aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à l'Europe de défendre, puisque la sécurité de toute l'Europe est en jeu, c'est à l'Europe de jouer son rôle. Mais vous, Européens, est-ce que vous êtes prêts à participer à cette forme de coopération et en niant aux Africains le droit au dialogue? Parce que ce qui a aggravé, ce qui est insupportable pour la France, c'est que nous sommes comme si on ne reconnaît pas, nous ne sommes pas redevables à la France de nous aider. Nous lui demandons de partir. Il y a eu ce qu'on appelait ici la conférence d'entente nationale et le dialogue national inclusif dont j'ai été co-facilitatrice. Nous avons tout simplement dit à la France, et les chefs djihadistes sont maliens, en tout cas les deux têtes pensantes sont maliens. Nous voulons parler avec eux. La France dit pas question, on ne parle pas avec les terroristes. Mais elle parle avec les terroristes quand ses intérêts sont engagés. Elle a parlé avec des terroristes pour libérer certains otages. Mais la France nous interdit de parler avec les terroristes. Voici là où le bât blesse aujourd'hui. Elle sait que si on nous laisse l'initiative de trouver des solutions africaines, peut-être que nous nous en sortirons. Mais elle prétend que si elle nous laisse, le pays deviendra islamiste et que les islamistes partiront d'ici pour menacer l'Europe. Or, nous savons que les attentats qui ont endeuillé l'Espagne, qui ont endeuillé la France, qui ont endeuillé la Belgique, aucun des terroristes qui ont attaqué l'Europe n'est parti d'ici du Sahel. Donc, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui a été importé. Tout le monde sait que l'attaque de la Libye, en violation de la résolution 1973 du Conseil de sécurité, l'attaque de la Libye a considérablement contribué à la déstabilisation de nos pays parce que les armes sont venues de là et que la plupart des combattants aujourd'hui, comme je vous ai dit, les chefs militaires l'ont reconnu. Ils disent qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre au Sahel. Il faut une solution politique. Mais la solution politique que nous voulons ne peut pas être réduite à des questions d'élections transparentes. Nous ne voulons pas des élections transparentes. Nous voulons tout simplement une société civile avisée, organisée, mobilisée. Je pense que la France qui ne veut pas lâcher du lest, qui ne veut pas remonter aux origines et de la fragilisation de nos États, et dit que sa devise, c'est 3D. Les 3D de la France, c'est diplomatie, défense et développement.
Alors, au 3D de la France, je pose les 3D qui ont pour nom démilitarisation, décolonisation et démondialisation. L'issue aujourd'hui pour nos peuples se situe à ce niveau. C'est un défi que nous lançons. Et nous comptons vraiment sur le bon sens des peuples d'Europe, du monde, puisque pour nous gérer, et il a été demandé à la communauté internationale d'infliger des sanctions au Mali jusqu'à ce que les autorités actuelles acceptent d'organiser les élections en heure et en temps voulu par la France. La France exige que les élections aient lieu à tel moment. Donc, puisqu'elle n'a pas cette garantie, parce que ce qu'on appelle le deuxième coup d'État a eu lieu tout simplement parce que la France voulait avoir dans la gestion de cette transition et des gens à des postes qui assurent effectivement que les choses vont se passer comme elle l'entend. Donc, c'est une question est beaucoup plus subtile et complexe que juste, disons, l'indiscipline d'un pays qui a une sorte qui est constamment secoué par des coups d'État. Les coups d'État, chaque coup d'État est lié à une sorte de... La France est omniprésente dans les coups d'État. Donc, nous pensons que tout est clair. La France ne s'en cache pas. Elle n'a pas envie de céder la place à la Chine, la Russie et les Turcs et ainsi de suite. Bon, c'est une question qui oblige aujourd'hui, qui nous oblige à inscrire la sortie de crise, en tout cas lui conférer la dimension économique et géopolitique qu'il convient vraiment d'avoir présent à l'esprit. Et que ceux qui nous écoutent en Europe, qui ont vraiment envie de desserrer l'étau, qui ont vraiment envie de desserrer l'étau, de conférer aux dynamiques en cours, notamment à la question du réchauffement climatique, d'humaniser davantage les choses, que ces gens-là sachent qu'en fait, il n'y a pas de menace en tant que telle. La menace que nous redoutons aujourd'hui, c'est ce retour en force de la France qui veut embobiner l'Europe et la communauté internationale et les Sahéliens. Alors, pour atteindre l'ancrage, l'indispensable résistance des peuples du Sahel nécessite aujourd'hui que dans ce paradigme aux trois axes, sahélien, européen et international, nous allons intégrer la malianisation. La malianisation, c'est-à-dire la production par nous-mêmes d'idées et de projets de société conformes à nos aspirations profondes. Malianiser et panafricaniser. Panafricaniser parce que à l'origine, en dépit de nos faiblesses, en dépit de tout ce que nous avons rencontré comme difficultés, il y avait un projet de société qui était l'OUA, devenu l'UA. Mais l'OUA est devenu l'UA. L'UA, comme la CEDEAO, sont fragiles parce que dépendants financièrement de l'aide de l'Union européenne et de la communauté internationale. C'est cette communauté internationale que, dans mon prochain livre, et je compte appeler à la barre. Je l'ai fait dans le film d'Abdelrahmane Sissako Bamako. J'ai interpellé le FMI et la Banque mondiale. Mais nous allons aujourd'hui, dans Emblématique Mali, interpeller chaque membre de cette communauté internationale pour que l'après-Covid puisse correspondre à l'après-Barkhane, à l'après-Carbone, à l'après-racisme systémique et à l'après-sexisme. Je vous remercie. Muchísimas gracias, Aminata, por esta gran intervención y por este rato que has podido pasar con todas nosotras.
La verdad que ha sido muy enriquecedor poder salir por un momento de los papeles, de los informes, de promesas políticas que escuchamos todos los días y de los datos para poder darnos un baño de realidad como el que acabamos de tener junto contigo. Es verdad que la cuenta atrás para el 2030 está cada vez más cerca y de finalizar y por ello pensamos que se hace urgente detectar aquellos baches que se están teniendo en el camino para poder alcanzar con éxito los objetivos propuestos, ¿no? Es imprescindible, como ha dicho Aminata ahora mismo, malienizar, me ha encantado esa palabra, y panafricar las sociedades, ¿no? Es cierto, ha apuntado hacia una injerencia por parte o potencias europeas, donde Europa pide democratizar África y en realidad lo que está tratando de hacer es imponer democracias neoliberales que pretendan abrir los mercados a potencias financieras, ¿no? La solución política, ha comentado, no se puede reducir a unas elecciones transparentes, ¿no? Lo que es necesario es apostar por una sociedad que sea organizada, que tenga poder de palabra, que tenga poder de decisión y que por sí mismas pues, puedan dirigir, ¿no? Su propio país. Ha hablado también que las revoluciones africanas no han consistido en instrumentalizar el sufrimiento de los olvidados en aquellas políticas neoliberales que se han intentado imponer, ¿no? Y también ha comentado una idea como la recolonización se está utilizando un poco para poder de nuevo, o sea, se está utilizando un poco para dar una explicación al terrorismo, ¿no? Ella ha comentado que la explicación que se está dando el terrorismo que está sucediendo en África es humillante, ¿no? Y bueno, a mí me ha encantado también una de las frases con las que yo creo que nos tenemos que quedar y con una idea clara, que el fondo de toda la cuestión que está pasando en el Sahel con el tema terrorista viene de un fondo por el cambio climático, ¿no? Como desde todos los países realmente la gran apuesta por la que tenemos que luchar ahora mismo es por el cambio climático, ¿no? Por esas sequías que año tras año están obligando a muchísima población a tener una migración forzada y tener que dejar los países de donde nacieron, ¿no? Y Aminata para ello propone las tres Ds: descolonización, desglobalización y des... Ay, lo apunta. Y Aminata, ¿cuál era la tercera? Desmilitarización. Y desmilitarización, efectivamente. Así que, bueno, la verdad que podríamos estar aquí hablando muchísimo con Aminata. De nuevo, muchísimas gracias, Aminata, por este baño de realidad que hemos podido tener contigo. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado en toda y cada una de las conferencias que hemos tenido a lo largo de estos 3 años, a la Casa Encendida por su apoyo, por la colaboración y por la cesión de sus espacios y medios a lo largo de todos estos años. Os recordamos que podéis volver a ver de nuevo todo el ciclo de conferencias, está subido en el canal de YouTube y las tenemos también colgadas en nuestra página web de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Y una vez que entráis en nuestra página, vais a la sección de formación y ahí podéis volver a disfrutar de todas estas ciclo de conferencias que nos ayudan, desde luego, a poder analizar un poco más la realidad que vivimos día a día. En unos días podréis volver a disfrutar de la conferencia de Aminata Traoré. Así que, bueno, con este mensaje que nos deja, seguimos construyendo, seguimos creando y seguiremos tejiendo redes y puentes para poder crear todas esas alternativas. Muchísimas gracias.